Je me présente aux élections législatives dans la deuxième circonscription des Hautes-Alpes pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, dans la continuité de la candidature de Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle. Alors le candidat des riches, Macron, a été réélu. Il va continuer à gouverner dans l'intérêt du grand patronat, à aggraver le sort des classes populaires. D'ailleurs, il a promis du sang et des larmes. Donc face à ces attaques, les travailleurs n'ont qu'une seule option, se mobiliser pour se défendre eux-mêmes. À travers leur lutte collective, il faudra imposer les augmentations de salaire qui sont indispensables aujourd'hui pour vivre dignement et non plus survivre au quotidien. Aujourd'hui, quand on voit le coût de la vie, pas un seul salaire, pas une pension, pas une allocation ne devrait être inférieur à 2000 euros net. Et face à l'inflation catastrophique, il faut indexer ce salaire, cette pension sur les prix. Il faudra également imposer la répartition du travail entre tous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun chômeur, et puis le contrôle des salariés sur les comptes des entreprises. Alors certains parlent aujourd'hui, pour cette élection législative, de troisième tour. Mais franchement, c'est une mascarade. Notre avenir ne dépend pas du résultat de ces élections. Aucun député, aucun sauveur suprême ne nous protégera des conséquences de la crise, de la montée de l'extrême droite, de la guerre. Aucun parlement ne votera des lois ou n'imposera une politique favorable aux travailleurs. Les travailleurs, ils peuvent compter que sur leur propre capacité à s'organiser, à se mobiliser. Parce que de toute façon, le vrai pouvoir, il appartient aux capitalistes qui dominent l'économie. Nous, on fait tout fonctionner dans la société, donc on est parfaitement capable de la diriger pour répondre enfin aux besoins de tous. Donc c'est un programme de combat que je propose dans ces élections législatives. En votant pour ma candidature, les travailleurs ils pourront affirmer leur confiance dans leur classe, dans sa capacité à se défendre face à la rapacité du grand patronat, et demain à changer toute la société.